Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer de nouvelles toiles, on va dire. Voilà, donc c'est mon cadeau d'anniversaire de la part de ma maman et de mon papa. Voilà. Ma maman, elle a craqué, elle a bien compris que c'était devenu ma passion. Et du coup, elle m'a acheté plusieurs petites choses, donc je voulais partager ça avec vous. Voilà. Alors, on va commencer par quoi? Donc, je vous montre, elle m'a pris plusieurs toiles. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, hein, c'est juste pour vous montrer ce que j'ai, voilà. Donc... Alors, elle m'a pris ce DP là. Donc, ma mère, elle connaît pas trop. Enfin, elle connaît AliExpress parce que je lui en ai parlé. Mais elle n'est pas trop fan de commander sur ce site-là. Voilà. Donc, elle m'a dit que la plupart des toiles, elle me les avait commandées sur Amazon, Cdiscount. Voilà, les sites qu'elle connaît. Donc, bon, j'ai dit pourquoi pas. Hein, moi, je connais pas trop. Donc, voilà. Donc, c'est elle qui a tout choisi. Je n'étais pas au courant avant. J'ai vu ça tout à l'heure en déballant les cadeaux. Voilà, donc elle m'a pris cette petite toile là. Donc c'est une 30 par 40, il me semble. Ah, ça commence bien. Je sais pas c'est une quelle taille. Je pense que si, hein, vu la taille, ça doit être une 30 par 40. Voilà. Donc c'est assez mimi. C'est une petite fée. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous montrer la photo. Voilà. Ah bah forcément mon téléphone il va pas faire la mise au point donc vous allez rien voir. Bon, je vais vous la mettre comme ça. Donc voilà, c'est une petite fée. Les couleurs sont magnifiques, super beau. La toile elle colle du tonnerre, c'est un papier transparent. Ce que j'adore c'est qu'il y a toutes les références DMC, donc ça c'est cool. Il y a 27 couleurs, les symboles sont très bien imprimés. Donc dedans j'ai ce petit kit là, donc comme d'habitude, la barquette verte, la colle, le stylet, voilà, pas plus. Ce sont des diamants ronds et donc voilà ce que ça donne. Donc les couleurs je les trouve super sympas, franchement j'adore ces couleurs, c'est top. Voilà, donc je vais pas m'éterniser sur chaque toile hein, parce que comme vous voyez j'en ai plusieurs, donc... Et je pense qu'elle a compris aussi quand j'étais en galère de DP que je lui parlais de ça tous les jours. Là, elle m'a fait pas mal de... Voilà. J'ai eu pas mal de cadeaux. Je suis très chanceuse, je l'avoue. Alors, ensuite, elle m'a offert... Alors, celle-ci, je la trouve trop belle. Voilà. Donc, hop. Regardez-moi ça. Elle est magnifique, cette toile. Donc comme vous pouvez voir, il y a deux chiens, donc ce sont des Golden Retrievers, c'est la même race que ma chienne. Et puis en plus, quand j'habitais chez mes parents avant, on avait une chienne aussi comme ça, donc voilà, qui est restée 15 ans avec nous. Donc c'est un grand souvenir, cette race de chiens. Et puis bah, moi du coup, je l'ai encore avec moi, là elle est à côté de moi, elle dort. Voilà, donc voilà, je la trouve super belle cette toile. Donc c'est une 30 par 40 aussi, ou 40 par 30, ça dépend comment vous voulez. Voilà, il y a 21 couleurs, c'est un rond également. Le kit, alors c'est le même, sauf que celui-ci, il y a des petits sachets en plus, vous voyez là. Donc ça c'est top. Et donc au niveau des couleurs, bah voilà, je vais vous montrer comme ça, hein. Très chouette aussi. Donc pas mal de beige, de marron, bah parce que c'est la couleur des chiens. Et puis du vert pour faire le feuillage autour. Quoi. Mais c'est super beau. Alors, c'est pas forcément des toiles que moi, j'aurais acheté. Parce que en plus, en 30 par 40 comme ça, j'aurais peur que ça rentre pas bien. Et en fait, en les voyant, là, en vrai, je me dis, elle va être magnifique. Quoi, parce que là, on reconnaît carrément le dessin. Donc, c'est top, quoi. C'est carrément top. Je vais la remettre après dedans. Voilà, donc ensuite, alors celui-ci, elle m'a dit qu'elle s'était trompée, mais bon, moi je prends, hein, il n'y a pas de souci. Alors, voilà, donc c'est une toute petite toile comme ça, c'est un partiel, donc je pense que c'est pour ça, elle s'en est rendue compte quand elle l'a reçue qu'on ne pouvait pas diamanter toute la toile, donc elle devait être un peu déçue, mais écoute, hein, moi,
J'adore, ça me plaît. En plus, il y a une licorne avec une princesse, ma fille, avant un être fan. Donc, je sens qu'il va être réquisitionné pour sa chambre, celui-là. Voilà, donc il y a 13 couleurs. Ça colle très bien. Petit kit, le même, sans sachet, voilà. Et donc, ce sont des diamants ronds également. Donc là, forcément, il n'y a pas beaucoup de diamants. Mais bon, regardez le peu qu'il y a. Vous avez vu comment il brille bien? Sincèrement, oh, vous avez ma lampe juste au-dessus. Vous avez un reflet. Je vais essayer de vous le limiter. Voilà. Donc, bah écoutez, moi, je la trouve sympa. Donc, c'est marqué 30 par 30. Oui, c'est possible que ça fasse 30 par 30. Voilà. Donc, c'est top parce que du coup, vu que c'est pas moi qui ai choisi ces toiles-là, et bah du coup, ça me fait découvrir d'autres choses. Et vous aussi, pour le coup. Donc, je suis plutôt contente. Alors ensuite, celle-ci, je vous l'ai montrée. Oui. Voilà. Alors, ensuite, celle-ci. Donc, bien sûr, hein, je les ai regardées avant de vous les montrer. Hein. Là, c'est pas un unboxing surprise. Mais bon. Alors celle-ci, elle m'a fait bien rire parce que j'ai pensé à Kevin de la chaîne Kevin met des diamants dans ma vie. Il me semble bien qu'il l'a commandé cette toile-ci. Voilà. Oui, c'est sûr maintenant, je m'en rappelle. Il l'a commandé. Parce que je ne sais plus en quelle taille il l'a commandé, mais il avait peur que les écritures sur le journal ne se voient pas. Donc moi, c'est sûr qu'on ne les verra pas. Mais je l'ai trouvé top. Et donc, comme vous pouvez voir, c'est encore un... Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est mon lave-vaisselle qui tourne. Bref, comme vous pouvez voir, c'est encore un Golden Retriever. Donc voilà. Donc je l'ai trouvé super drôle, sincèrement. C'est une toile que j'ai jamais trop osé commander parce que... Je sais pas, j'ai toujours fait un petit peu pour les goûts de mes enfants, les miens, ceux de mon chéri, ceux de mon fils, mais j'ai jamais, voilà, j'ai pas encore pris le temps de me lancer dans ces catégories-là un petit peu humoristiques, on va dire. Et du coup, je suis super contente qu'elle me l'ait prise parce que je le trouve trop drôle et voilà, c'est super sympa. Donc, la toile colle super bien. Le kit, le même, barquette verte, pain de colle, stylet et des petits sachets. Voilà, donc ça c'est top. Il est en diamant rond, il y a 22 couleurs et voilà ce que ça donne. Donc là il y a pas mal de couleurs bleues, comme vous pouvez voir. Donc ouais, je suis sûre que je vais m'éclater à le faire celui-là. Même si je sais que je ne vais pas les faire tout de suite, sincèrement, c'est trop fort. Alors ensuite, elle m'a offert un truc, c'est le premier que j'ai ouvert. Et elle était super fière de son coup, donc ça m'a fait trop rire. Elle m'a offert une petite sacoche comme ça, donc je suis trop contente. Parce qu'en fait, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais moi je m'en suis commandé deux sur Ali. Et je ne les ai pas reçus, hein, comme beaucoup de choses, j'ai envie de dire. Et du coup, je suis trop contente parce que bah, elle l'a pas commandé sur Ali pour le coup, mais bon, elle l'a reçu avant moi, quoi. Donc, c'est carrément top. Donc, je vous montre de plus près. Ah, comment ça m'énerve cette lampe. Voilà, c'est une rose multicolore, en fait. Voilà. Et donc, pour ceux qui connaissent pas, eh bien, c'est un petit sac à main, une petite pochette. Et bah, vous avez un petit film là, donc avec la zone collante. Voilà, et du coup, vous décorez votre petit sac avec tes diamants, quoi. Donc, c'est super top, quoi. Alors, donc là, vous avez la petite tirette qui est simple et vous avez tous les accessoires à l'intérieur. Donc, les diamants et le kit. Voilà, donc, je vais vous montrer les diamants. Donc, ce sont des diamants spéciaux, mais ce sont tous des diamants ronds. Je sais qu'il y a des pochettes. Je ne sais pas si moi, ce que j'ai pris, il y en a de formes différentes, je ne sais plus. Mais ce que je sais, c'est que là, ce ne sont que des ronds. Et regardez comment ils sont sympas. Voilà. C'est des belles couleurs pétantes et tout. Ça va être super joli, quoi. Voilà. Et donc ensuite, dans le petit kit, donc là, c'est un kit un peu spécial. Donc, on a toujours la même chose. Hein. On a une barquette verte, un stylet et le petit carré de colle. Ça ne change pas. Mais par contre, dedans, voilà. Alors... On a
le petit pompon. Donc, c'est pour aller ici. Alors, je vais vous montrer. Donc, ça, on a la petite chaîne. Donc, la petite chaîne, en fait, elle va comme ça sur le sac à main. Voilà. Et donc, ensuite, on a deux petits anneaux. Donc, il y en a un qui va là. On peut les ouvrir, les petits anneaux. Et puis, en fait, on met le pompon ici avec les deux petits anneaux, quoi. Donc du coup notre sac il aura le petit pompon en plus à la couleur du sac et puis la petite chaîne quoi. Voilà. Donc franchement quand on commence à faire pas mal de DP et tout, je trouve ça super sympa de pouvoir faire ce genre de choses parce que ça change quoi. Et moi je sais que je suis très cliente là-dessus sur Ali. Maintenant je n'y vais plus hein, parce que j'ai fait des bêtises, j'ai commandé beaucoup de trop. Mais j'aime beaucoup chercher ce genre de choses qui sont un petit peu différentes. Ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. Là, je commence à recevoir, j'ai reçu mes petits porte-clés. Mais j'ai commandé, je ne vais pas vous en parler parce que je voudrais que vous ayez la surprise pour ceux qui ne connaissent pas. Mais voilà, j'ai essayé de chercher du diamond painting sur des supports improbables, on va dire. Comme là, hein, faire du diamond painting sur une pochette. Alors bon, vous avez une grande bandoulière pour faire sac à main, mais après, vous pouvez vous en servir pour plein de choses, quoi. Ça peut être une pochette à maquillage, ça peut être, voilà, hein, plein de choses. Et moi, j'adore vraiment beaucoup ces nouveaux supports. Enfin, c'est peut-être pas nouveau, mais pour moi, c'est nouveau, en tout cas. Et j'adore vraiment. Voilà. Donc, hop, petite pochette. Et donc, ensuite, on avance. Alors celui-ci je vais le garder pour la fin. Je vais vous prendre celui-ci parce que celui-ci on a un petit peu rigolé parce qu'en fait hop je vais vous le montrer. Ça, je vais le mettre là. Alors regardez, je suis sûre que ça va plaire à énormément de gens, mais voilà, donc c'est celui-ci. Donc si vous voyez bien, c'est une femme avec la mort derrière, avec sa faux et tout. Et en fait, au début, vu qu'il était enroulé, je ne voyais pas trop ce que c'était. Je voyais juste la petite image. Puis bon, si vous voyez sur la petite image, on voit pas grand-chose. Hein. Mais bon, j'ai essayé de décoder et je me suis dit, c'est une femme avec la mort. Quoi. Mais elle me dit non, elle me dit, je n'ai pas pu prendre ça. Donc bref, j'ouvre tous mes cadeaux, tout. Et puis une fois que c'est fait, je le déballe, j'ouvre. Mais j'ai dit, mais si, regarde bien. Enfin voilà, quoi, c'est bien ça. Mais elle me dit, j'ai jamais commandé ça, c'est pas possible. Donc elle me dit, viens. Donc celui-ci, elle l'a eu chez Amazon. Donc, sincèrement, hein, il est très très beau. Mais moi, c'est pas du tout, du tout mon style de DP. Voilà. C'est pas du tout un thème que j'aime. Elle non plus, c'est pas du tout le genre de choses qu'elle aime. Après, je sais que ça plaît à énormément de gens parce que je vois pas mal de photos comme ça qui circulent sur Facebook et tout. Donc voilà. Après, chacun ses goûts. Moi, personnellement, c'est pas mes goûts. Et donc, elle me dit, allez, viens, on va voir sur mon compte Amazon et tout, parce qu'elle me dit, pour moi, c'est pas ce que j'ai commandé, quoi. Et en fait, eh ben, elle avait bien raison. En fait, elle m'a commandé un papillon violet. Regardez ce qu'elle a reçu. Donc, le vendeur, il s'est complètement planté. Donc, bah écoutez, on a envoyé un message au vendeur, on va voir ce qu'il va nous dire. Mais bon, là, sincèrement, carrément planté. Par contre, donc je lui ai dit t'inquiète pas hein, même s'il le change pas, moi ça me pose pas de soucis, je le ferai, je l'offrirai à quelqu'un à qui ça peut plaire et puis voilà quoi, ça il n'y a pas de problème. J'ai dit moi mon plaisir avant tout c'est de le faire, après l'image c'est sûr c'est mieux de faire une image qui nous plaît, mais bon moi il n'y a pas de problème quoi. Bon par contre je vais m'éclater avec le noir hein, parce qu'il y en a pas mal, mais bon moi ça me va. Donc il y a 22 couleurs sur ce DP. C'est un 30x40 et chose qui est géniale, je lui dis franchement c'est top. Ce sont des diamants carrés. Donc là j'étais carrément trop contente parce que bah, sur Amazon trouver des diamants carrés, c'est pas évident, hein, y a pas grand chose. Hein. Donc franchement, ça j'ai dit par contre c'est un bon point parce que du coup moi j'ai jamais testé les diamants carrés de chez Amazon. Et ça peut être top quoi. Ah, c'est cool en plus, j'avais pas vu. Attendez, je vais vous montrer, je vais pas tout sortir. Mais alors, vous voyez là, je sais pas si vous voyez bien, sur la toile, donc il y a 22 couleurs, on a les symboles et on a le numéro 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 27. Jusqu'à 22, pardon.
Mais je me suis dit, bon, dommage, il n'y a pas de DMC, je vais galérer à les retrouver et tout. Et en fait, j'ai pas regardé les sachets de diamants. Enfin, j'ai regardé, mais j'ai pas regardé ce qui était écrit. Il y a la DMC sur les sachets de diamants. Donc ça, c'est super cool. Alors, est-ce que vous allez voir avec mon téléphone qui ne fait pas la mise au point, hein? En plus, il y a la lampe là-haut qui nous embête. Donc, la DMC, elle est là-haut. Voilà. Donc, non, vous ne voyez rien du tout. Ah, là, vous allez peut-être voir. Regardez, c'est le noir, c'est le 2 et c'est le 310. C'est marqué juste là. Alors, mon téléphone ne fait pas la mise au point. C'est dommage. Non, il veut pas. Il ne veut pas. Il m'énerve. Enfin, bon, bref. Toujours est-il qu'il y a la DMC sur les sachets et ça, c'est super cool. Alors, c'est dommage. Donc, il est très bien, mais elle m'a montré la photo de celui qu'elle m'avait commandé et il était magnifique. Franchement, je pense que c'est un DP qui plairait. Alors, peut-être qu'elle l'a déjà fait, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu toutes ses vidéos. Mais ça me fait penser à Joël de la chaîne Les Papillons du 59, je crois, hein, quelque chose comme ça. Les loisirs de Papillon 59, je crois. Elle qui adore les papillons, mais franchement, il était magnifique. En plus, j'ai regardé les commentaires, il y a des gens qui l'avaient publié en photo fini. Oh! En plus, c'était un diamant carré aussi. Non, franchement, il était vraiment magnifique. Donc bon, bref. On verra bien, mais en tout cas, bah, j'ai celui-ci. Hein. Je suis contente. Et puis donc il y a le kit, hein, le kit de base. Voilà. Donc vous voyez, hein, je vous avais dit, ma mère a s'est lâchée. Hein. J'avais dit diamond painting, diamond painting, diamond painting. Ah bah elle m'a écouté. Hein. Elle m'a carrément écouté. Voilà. Ah non, ça je peux vous montrer. Et donc c'est un autre petit cadeau, mais personnel. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas vous le montrer. Et donc celui-ci, c'est le dernier. Hein? Donc j'ai vraiment été très très gâtée. Je suis super contente. Et donc celui-ci, voilà, c'est ça. Hop, donc cette image elle est assez connue, hein. Là c'est encore un Golden Retriever, mais après je sais qu'ils la font avec des chats, avec d'autres chiens, voilà. C'est des animaux qui sont... Ah, elle m'énerve la lumière. Voilà. Qui sont avec plein de taches de peinture de couleurs différentes et elle est super top. Je la trouve carrément trop mimi. J'adore. Donc c'est une 40 par 30. Comme... Elle a quasiment pris que cette taille-là. Et sincèrement, elle qui ne s'y connaît pas en DP, je trouve que c'est un très bon choix parce que bah voilà, les toiles sont de taille raisonnable et c'est top quoi. C'est franchement, elle a bien choisi quoi. Je suis gâtée, je suis trop heureuse. Donc ce DP là, donc en plus ce qui est cool, c'est qu'il a des couleurs extrêmement variées. Hein, vous voyez, j'ai plein de teintes de rouge, violet, bleu. Enfin là, j'ai les teintes de l'arc-en-ciel quoi. Hein, voilà, vous voyez, jaune. J'ai vraiment toutes les couleurs. C'est un DP rond et voilà. Et du coup, donc pas de DMC, mais bon, ça ira avec mes ronds sans DMC, je sais pas ce que je vais en faire. Et puis bah, le kit comme d'hab, barquette violette, colle, stylet et petit sachet. Voilà. Donc je tenais à vous montrer donc tous mes petits cadeaux d'anniversaire. Donc je suis ravie. Franchement, voilà. J'étais trop contente. Donc je sais pas si ma mère va regarder les vidéos, mais bon, si jamais c'est le cas, bah. Gros merci, hein. Merci beaucoup maman, merci papa, voilà. Et puis je vous fais plein de bisous. Donc voilà, donc sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite comme d'habitude une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Salut!